Eh bien salut à tous, c'est Zebra Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur RDO pour les nouveautés qui sont sorties. Donc tout d'abord on va voir on regarde d'abord dans les vestes et les animes et dans les nouveaux vêtements. Donc vous avez vu là il y avait un nouveau truc gratuit. Donc on va d'abord regarder le chapeau. Donc on a le stock limité à 59$, donc la casquette. Donc le pire ce qu'on va faire c'est qu'on va les voir. Et puis ça va être mieux comme ça. Donc là on se trouve à Bayou-Hainois. On va aller à Saint-Denis, magasin de vêtements. Donc deux nouveaux modes aussi qui sont sortis, en exclu sur PS4 pour le moment. Comme vous savez que Take-Two et PS4 sont ensemble. Enfin sont ensemble, sont associés pour des exclusivités. Donc on va aller voir ça tranquillement. Et après on testera les nouvelles activités. On va tester, je pense, une ou deux activités, c'est pas une activité dans cette vidéo et vous verrez la deuxième dans une prochaine. Enfin, tout dépendra. Parce que j'ai essayé de rejoindre, c'est pas évident, ça me dit toujours voulez-vous regarder? Moi, je veux pas regarder, je veux participer. Bon, bon après, voilà quoi, c'est ça qui est chiant. Donc, on va aller voir ça au magasin vite fait. Hop, 1, 2, 2. Qu'est-ce qu'il y a comme vêtements? Donc apparemment j'ai vu qu'on en avait une gratuite, donc ça vaut le coup franchement. Hop, on va aller voir ça. Hop. Nouvelle tenue aussi. Donc voilà, je fais une petite tenue tranquillement. Je trouve ça sympa franchement. Donc alors vêtements. Tenue, donc on va voir les tenues si des fois ils n'en ont pas sorti des nouvelles. Hop. Ouais, il y a celle-là. Bon, ça, c'était celle la semaine dernière. C'est les tenues qui sont sorties la semaine dernière déjà. Donc, il n'y a rien de fou. Hop. On va aller voir les chapeaux. Comme je vous ai dit, il y en avait un nouveau. Mais il n'y a pas que le chapeau. Donc, la casquette. Oh, c'est vilain. Oh, je suis désolé, mais ça, c'est vilain, franchement. Qui va vouloir mettre ça, franchement? À moins pour faire le chauffeur au niveau du train. C'est limite des casquettes pour le train, ça, pour faire le train. Donc après, bah, c'est tout ce qu'il y a en chapeau. Hein. En exclusivité, il n'y a que ça. Normalement, il me semble. Je crois qu'on a... Quelque... Non, on a celui-là aussi, excusez-moi, je crois. Oui, voilà, on a celui-là aussi en exclusivité, qui est gratuit. Donc on va prendre, hop, direct. Tout ce qui est gratuit, il faut en profiter. Hein. Regardez, je vais le prendre dans tous les coloris, comme ça, voilà. Faut en profiter, comme ça, voilà. Tant que c'est gratuit. Donc c'est en exclusivité, je pense, peut-être que sur PS4. Après, dites-moi en commentaire sur les joueurs Xbox, si vous l'avez. Ça peut toujours être intéressant de le savoir. Donc voilà, donc, après on va enlever la casquette. Puis après, bah, c'est tout ce qu'on en a. Deux chapeaux, deux disponibles. Donc c'est franchement, c'est déjà pas mal. Franchement, en plus, je crois qu'on va avoir une tenue limite gratuite. Parce que j'ai vu aussi qu'on avait une veste. Comme vous avez vu, on a commencé dessus d'ailleurs. Donc on va les regarder. Donc là, bon, là c'est les ponchos. Donc ça, voilà. Ah ouais, d'accord. Je pensais qu'on pouvait le sélectionner. Non, faut faire comme ça, voilà. Donc, bon. C'est pas terrible. Mais faut le prendre. Ça peut faire des tenues dans le plus tard. Donc profitez, c'est gratuit, faut prendre. Hein. La veste Fidley, moi je la prends dans tous les coloris. Comme ça, je me suis. Comme ça, on est sûr de l'avoir gratos. Dans toutes les coloris. Enfin, toutes les couleurs, je veux dire plutôt. Voilà. Mince, excusez-moi. Puis après, bah, c'est tout ce qu'on va en voir en veste. Hein. Bon après c'est déjà pas mal hein. Elle est pas mal. En noir j'aime bien, même en blanc les petits styles en particulier, franchement elle est pas mal. Donc voilà, on a ça de disponible. Nous allons avoir après côté pour les filles, vous allez avoir une jupe normalement. Donc on a aussi le G Valdez. Bon lui par contre il est payant par contre hein. Mais je pense que je vais peut-être m'en faire m'en acheter un. Il est pas mal quand même, il est pas moche. Bon le blanc il est un peu trop blanc sur le coup. Mais en noir ou en noir et rouge. Ah c'est bien Rockstar, remonte un peu dans mes estimations là, c'est bien ça, c'est bien. Franchement.
Je pense que je vais partir sur... Ah là là, c'est que je sais pas tellement pas quoi le prendre. Je sais tellement pas lequel que je vais prendre. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Hop, donc soit c'est 129 dollars, soit 6 lingots d'or, si vous voulez lâcher que lingots d'or, mais je vous conseille plutôt d'acheter de l'argent. Hop, on va le prendre. Il est stylé, franchement. Il est stylé. Bon, après, voilà, c'est tout ce qu'on a, hein, niveau gilet. Bon, c'est dommage qu'il soit pas gratuit, j'aurais bien voulu économiser 100 dollars. Ça aurait fait plaisir. Bon, on a déjà économisé un peu d'argent. On va pas se plaindre. Donc, bah, là, après, il n'y a rien, niveau chemise. Ensuite, normalement. Bah, pantalon, on a rien, il me semble, normalement. On va regarder, mais ça, il me semble qu'on l'avait déjà. Ouais, on l'avait déjà, donc on n'a pas de nouveau tenue, nouveau pantalon. Voilà, hein. Écoutez. Alors, ensuite, par contre, en bottes, nous avons ces bottes-là. Donc, les bottes Citadel. Qui sont pas mal aussi, ils sont pas dégueulasses, franchement. Le rouge est un peu trop vif à mon goût quand même, mais je pense que je vais partir sur ça aussi, hein. Allez, on se laisse tenter. C'est pas tous les jours qu'on a des vêtements qui sont intéressants. Puis c'est tout ce qu'on va revoir en bottes, hein, ma foi. Après, on va voir aussi. Normalement, il me semble qu'on a des. On va regarder aussi les jambières des fois où, mais normalement, on a des nouveaux gants aussi. Donc ça doit être. Enfin, je suis même pas sûr qu'il. Je suis même pas sûr en fait si qu'on a des nouveaux gants ou pas. Donc voilà. Non, on n'a pas de nouveaux gants. Dites-le-moi vous si vous avez, si on a des nouveaux des fois. Donc non, il n'y a pas de nouveaux gants, j'ai pas la pression. Bon, voilà. Bon après là, il n'y a rien de plus, hein, il me semble. Je crois qu'il y a aussi des interactions, des nouvelles interactions qu'ils ont rajoutées. Je crois, hein. Je suis pas sûr, hein. Je m'affirme pas. Alors. Ah si, je crois que c'est des nouvelles interactions. Bon, ça y était déjà. Ça aussi, oui. Pointer du doigt, ça y était déjà. Danse du pionnier. Non, cracher, descendre les aussi, ça y était déjà. Hop, on va les voir là. Ah, regardez, on en a une autre qui est gratuite. On va prendre, hein, bien sûr. Hein. Tant que c'est gratuit, on prend. Bon, ça, c'y était déjà. Impassible, c'est pareil, on l'a déjà. Là, ensuite. Mince, je fais des bêtises. Bon, ça, on l'avait déjà. On avait déjà tout ce qui est ici, on l'avait déjà. Les provocations ici, on n'a pas de nouveau. Le coupe-gorge. Qui est pas mal, je pense que je l'achèterai plus tard, mais voilà, c'est déjà pas mal. Franchement, beaucoup de nouveautés. J'avais déjà fait la vidéo un peu plus tôt, mais je pensais que tout était sorti. Par contre, t'es mignon, toi. Je vais juste remettre ma tenue, hein, parce que voilà quoi. Chapeau, parce que du coup, j'ai oublié de la sauvegarder. You'll be getting a On va little juste la more remettre. attention from the fairer sex wearing that. Alors. Chapeau de crotale, voilà. Ensuite, oh, on va petite quête même la changer un peu du coup. Parce que c'est pas ça que j'ai d'habitude, j'ai le poncho avec. Voilà, acquis. Avec la veste, ça peut bien passer, hein. Really think it's perfect for J'aurais peut-être you. dû la prendre en rouge. Contre, c'est le pantalon en fait qui est dégueulasse du coup, mais bon, je rachèterai un hein, du coup. Puis voilà, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Bon, du coup, on a mis aussi les bottes aussi. Hein. On a déjà les bottes, normalement, sur nous. Have plenty more great items. Ces bottes, on voit pas trop les bottes. Ah, si on les voit, mais pas tant que ça, quoi. Faudrait que Rockstar nous donne la possibilité de reculer encore une fois en appuyant sur le pavé tactile pour les voir bien comme il faut. Donc, je sauvegarde la tenue. Hop. Sauvegarder, tenue. Alors la tenue 1. Voilà, c'est parfait. Voilà. Bon allez. Maintenant, on va aller voir les nouvelles activités. Donc on va se faire
une petite coupure, le temps de lancer, parce que si ça m'est observé, on va pas le voir à chaque fois, ça va prendre hyper de temps, ça se trouve. Donc voilà, donc on se dit à tout de suite. Donc nous voilà dans le premier mode, qui est chaque arme compte. Donc voilà, on va essayer de se faire ça, là. Donc c'est un peu le style comme lancer de couteau. Donc, sauf que là c'est avec des tomahawks. Donc le but est de rester, être le dernier survivant pour gagner, bien sûr. Donc bon, je suis pas très bon au jeu de survie généralement comme ça. C'est un peu comme ruer sur les armes, ces trucs comme ça. Je suis pas très fort. C'est un peu un mode battle royale. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer quand même. L'important c'est de participer. Oh, en plus la vue est pourrie quoi. Allez, let's go. Essayons de faire de notre mieux. Et que le meilleur gagne, comme on dit. Ancien Tomahawk. D'accord, on a l'ancien. L'ancien tue d'un seul coup, apparemment, ils disent. Il y a un joueur là-bas. Ouais, ça se passe par là-bas. Oui. Ouais, la tempête s'est levée. Je suis stressé, mais comme pas possible. Enfin, je suis concentré surtout. Et stressé aussi. Je suis les deux. Putain, mais on voit aucun joueur. Il y a des chevals, mais on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. C'est hein. Premier kill hein. Toujours le premier qui est important comme on dit. C'est que t'as des gens qui se cachent comme pas possible quoi. Ça se tue. Hein. Ah et puis on voit pas les gens qui restent. Mince. La zone est par là-bas.
je t'avais pas vu, toi. Ils sont super bien camouflés. Bon, 2 kills. Putain, c'était super bien camouflé, hein. Faut vraiment avoir l'œil, hein. Ça. Surtout le truc là, le bruit là. Genre de son là qui est hyper stressant. Oh, il y en a un là en bas. En bas. Ah, il y en a 2 en bas. Ah oui, match gagné. Ah bon. Pourtant, je me suis pas caché, hein. Franchement, je suis sorti entre deux, mais je me suis pas caché, hein. Vous avez vu, j'ai fait 2 kills. Hein. Enfin, le premier, j'ai eu de la chance, et le deuxième, voilà quoi. Mais bon, 0,1 de lingot d'or, c'est vraiment dégueulasse, par contre, c'est normal. Voilà quoi. Bon bah on a réussi, hein. Bah, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Bah ça va franchement. C'est bien mais il faut vraiment se concentrer, il faut... voilà, faut être là quoi. Donc voilà, donc... bon bah je suis premier. Bon. Pour une fois, surtout dans les trucs comme ça, d'habitude je perds tout le temps. Ah non c'est 0,10, ouais mais c'est toujours pas beaucoup. Hein. Bon voilà franchement. On va essayer d'en faire un deuxième. Hein. Écoutez, hein. Moi je me sens chaud. Hein. Je suis chaud, moi. Je vais essayer de le refaire l'exploit, quoi. 2 fois en top 1, ça serait parfait, quoi. Allez. Non, vous savez quoi? On va faire l'autre mode. Ça sera mieux. On va tester les deux modes, ça sera plus simple. On va pas le faire en 2 vidéos. Je préfère vous les faire les deux en 1, ça sera mieux. Voilà, franchement, ça sera mieux, là. Donc là, vous allez voir, regardez, je vais vous faire voir. Donc, je pense qu'on a un mode normalement, un ou deux modes anticipés sur PS4. Donc, regardez, ils le disent normalement. Ah, ils ont disparu. D'accord, parce que là, je peux vous jurer que tout à l'heure, ils étaient là. Ils ont disparu. D'accord. Donc, apparemment, ça, je le résume. Alors, soit j'ai un bug. Soit c'est bizarre quoi. J'ai plus les 2 nouveaux modes qui étaient là. Alors là c'est vraiment bizarre ça. Est-ce qu'on peut les trouver sur la map? Ah maintenant on a série spéciale petite et série spéciale normale. Alors nous on est où là? Si je fais ça, on va aller voir là-bas. Ils ont rajouté la petite série spéciale. Donc, à mon avis, je pense qu'ils ont pris peut-être sortir 2 modes d'affilée à chaque fois. Peut-être. Ou alors c'est juste pour cette semaine-là, ça se trouve. Je sais pas. On va aller voir ça. Hop, on va aller voir Valentine. La ville qui avait si bien bugué ce week-end. Bon, là, c'est bon, ça a été résolu. Hein. Même Rockstar l'ont dit. Ils l'ont affirmé que ça avait été réglé ce problème. Tant mieux, parce que c'était vraiment infernal. Franchement, c'était infernal, c'était impossible à jouer. Ou alors, fallait pas s'approcher de Valentine. Et franchement, c'était vraiment compliqué. Hein. C'était un calvaire. Là, maintenant, on peut, c'est bien. C'est mieux. Pour ça, c'est chiant. C'est bien les glitches, hein, des fois. Hein, j'en ai fait un la semaine dernière, mais bon. C'est chiant quand même, parce que voilà, des fois, quand ça fait des super bugs comme ça, enfin, des gros bugs comme ça, là, c'est pas super, quoi. C'est comme GTA, hein, de toute façon. Dès qu'il y a un glitch, faut que ça soit sorti, hein, généralement. J'espère pas que tu me fasses chier, toi. Bouge. C'est vrai, il m'a pas tué. Je pensais qu'il allait me tuer. Bonsoir.
là on a un nouveau qui est là. Donc là qu'est-ce que c'est ici? Petite. Qu'est-ce qu'ils appellent petite? C'est ça qu'il faut savoir. Donc j'espère pas que c'est fait comme les modes confrontation. J'espère pas. Donc si c'est pas les petites, c'est les grandes. Puis bah si méchant ça je trouve pas, on le fera pour la prochaine vidéo. Mais je pense que ça peut être l'un ou l'autre, hein, soit le petit, soit le grand. J'espère pas qu'ils ont fait comme avec les confrontations ou les autres comme trésor de guerre, truc comme ça, ça c'est super chiant quoi. C'est carrément casse bonbon parce que franchement faire 10 activités pour trouver une fois sur celle qu'on veut faire, c'est vraiment pas fameux quoi. Moi c'est pas le truc que je suis en plein kiff. Ou je suis pas. Que je kiffe pas du tout. Moi. Donc j'espère dans l'avenir Rockstar feront ça, hein. Ils feront un peu comme GTA, faire genre liste capture, genre liste trésor de guerre, machin, machin et machin. Là ils l'ont voulu le faire, mais bon c'est un peu. Je trouve ça un peu vite fait quand même. Parce que celui-là qui veut pas, genre qui veut pas faire le truc de Tomahawk. Voilà, donc c'est bon, on l'a trouvé. Dernier survivant, voilà, c'est celui-là, cimetière. Donc soyez le dernier joueur encore en vie pour remporter le combat. Donc c'est encore un peu la même chose, mais différemment. Là on a toutes les armes, je pense, il me semble. Donc on va tester ça tranquillement. Donc dernier survivant. Ça m'a l'air d'être pas mal. On va essayer de faire top 1 aussi. Je n'ai pas testé les activités avant. Comme je vous ai dit, j'ai essayé mais j'ai pas pu. Mais bon, tant pis. Hein. Écoutez, on perdra. Hein. Regardez, l'autre d'avant, je l'ai pas testé et je suis resté être premier. Hein. Par chance. Hein. Enfin, après, c'est parce que j'ai pas croisé beaucoup de monde. Hein. Mais bon. C'est terrible, mais je vais ouvrir nos personnages sortir d'un cercueil, ça serait marrant. Ouh là là. Je kiffe. La petite cinématique là que j'arrive. Les mains en l'air, c'est un hold up. Ah, c'est pas mal. Donc après, je sais pas si on va mener l'ultime combat, le premier joueur à gagner deux manches remporte la victoire. Aïe! J'ai rien compris. Ah d'accord, on a qu'une vie. Ah! D'accord. Bon bah, tout à l'heure je devais avoir du bol apparemment. Ah bah ils sont tués, il y en a deux qui sont entretués là déjà. Bon ça passe, ça va peut-être aller plus vite là apparemment. Ah oui, ça va aller beaucoup plus vite. Et il reste déjà plus que 4 joueurs. Allez, 4, 2, maintenant. 3, excusez-moi. 3 joueurs, il reste. Ah non, maintenant même pas, excusez-moi. Non, 4 joueurs. Donc il devait en rester 6. Excusez-moi, autant pour moi. Donc 6 joueurs, il reste. Les manches ont l'air courtes quand même, hein. Bah oui, de toute façon, je suis bête. Les derniers survivants, c'est forcément. Ou toi, t'as pas peur, toi, par contre. J'en ai vu un moi là-bas, je crois. Il a vraiment pas peur, lui. Hein. Là, il y en a qui arrivent par l'arrière. Boum! A plus. Allez. Bon, après, je sais pas comment on fait pour voir qui gagne. Spider-Man ou c'est comment? 10 secondes avant le début de la mort subite. Ah d'accord, donc il y a une mort subite si on meurt pas tous, si il reste pas qu'un seul. D'accord. C'est tué, bah d'accord. Tout ça pour qu'il en reste un au final en fait. Super. Sympa. Manche perdue. Bien joué à lui. Je crois que c'est lui qui m'a tué. Donc bien joué à lui quand même, hein. Même si j'ai perdu. Hein. Faut pas être mauvais joueur. Allez. Thank you.
pas, il doit y en avoir un autre. Il est où le dernier? Punaise. Ah, il est là! Je l'ai vu. Ah, il y en a deux. Ah, mais non, mais pourquoi il a pas voulu? J'appuie sur rond, wesh. Oh, punaise, mais non. On a failli avoir la première place. Bon, c'est pas grave. Ah là, si, là, par contre, je prends le seum quand le personnage veut pas... Après, j'avais la dynamite dans les mains, mais bon, tant pis, hein. Je pensais pas qu'il allait venir aussi rapidement. Bah, il m'avait pas vu au début, en plus. Bon, bah, c'est pas grave, hein, écoutez, hein. Faut savoir l'admettre, hein, qu'on a perdu, hein. Oh, ça va, hein, deuxième place. Enfin, deuxième place pour le moment, attendez. Ah bah non, j'ai pas gagné du coup. Attendez, je n'ai pas gagné. Ah, une prolongation. Oh, nice. Non! Mais punaise. Bon bah là, je suis mort par contre. Punaise. Oh punaise, putain. Ah, j'avais eu la chance de pouvoir revenir parce que, à mon avis, je pense que le temps s'est fini au même moment que qui m'a tiré dessus. Ah bah, d'accord, lui il a fait n'importe quoi, il a comme moi, il a stressé. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Ah non, on a une deuxième vie. Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu pas peur. Comment dire? Celui-là il est plus stylé, franchement je préfère celui-là. Quand même, hein. Bon, après il est un peu plus long. Faut gagner deux manches, hein, quand même, hein. C'est pas rien. Après, si vous jouez mal, bien fin, bon, après faut pas se cacher, quoi, hein, comme je dis. Faut jouer stratégique. Donc là, regardez, vous voyez, là, lui il campe déjà. Tu vas te faire avoir. Là, je joue comme ça, là. Ah, c'était sur les tours. Ouais, tu l'as pas eu, hein. Il est là, là, comme ça, moi, j'arrivais là, bim, je mettais un kill en direct, hein. C'est bien, j'en ai éliminé pas mal, j'en ai éliminé 5, quand même, hein. J'ai éliminé, je pense, lui, 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 1, 2, 3, 4. Ah non, 4, j'ai en éliminé. Je croyais 5, mais en 4. Encore ? Les joueurs hors de nouvelles limites seront éliminés. D'accord, donc tant qu'en fait il n'y a pas un vainqueur, ça continuera en fait. D'accord. Prolongation, on se croirait dans un match de foot. Oula, fais gaffe, tu sors ! Bon bah t'es perdu. Oh. Ah ouais, t'es perdu. J'aurais préféré ne pas sortir, moi. Surtout qu'il tire une dynamite, c'est bon, il explose, le mec, hein. Il va mourir. C'est bête, hein, mourir. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça arrive, comment dire. Bon, est-ce que c'est fini? Oui, allez, manche 4. Première remportée, deux manches et gagné. Ouais, mais on sait pas qui a gagné une manche. Punaise. Non, mais non. Genre, m'a mis une balle, je suis mort direct. Shit. Oh là là là, c'est hard à mort. Ah ouais, bah d'accord, les mecs ils se planquent. Non, mais c'est quoi? Putain, c'est... Attends, allez camper sur Fortnite, camper pas sur Red Dead. Je suis désolé pour ceux qui jouent sur Fortnite, mais bon, voilà, attends. Moi j'aime pas ça, j'aime pas les gens qui campent là, c'est chiant. Après, ça va, la statue. Certes, ça fait durer le temps, mais bon, Robo il va mourir. Allez hop, t'es mort toi. Non? Là, t'es...
Tu vas mourir, Barentin, mon gars. Guignol. Attends qu'ils viennent. Changeons de joueur parce qu'il fait un peu de désespéré quand même. Ah d'accord. Je croyais qu'il voulait se suicider ou je sais pas. Ah voilà, il s'est tué. Logique hein. C'est pas logique hein, ce qu'il a fait. Hein. Mais bon. On n'y peut rien. Donc il reste combien de joueurs? Il reste 2 joueurs. Un niveau 19. John Sinclair et Crusher. Ben voilà. On a notre grand finaliste, je crois. Hein. Je crois qu'il a déjà gagné une manche, hein, il me semble. Hein. Ouais. Il a gagné une manche. Il avait déjà gagné une manche, donc il a gagné. Bah, GG à lui, hein, quand même. Hein. 0,3, donc ça fait 0,30. Parce que vu que j'ai le bonus. GG à lui, en tout cas. Hein. Franchement, c'est pas mal, franchement. Voilà, bon, pour ça, si vous avez aimé les deux nouvelles activités, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, élu meilleur joueur. Tant mieux. Allez, ciao, ciao.